Monsieur Dame Tangle Cookie. Chers abonnés, vous tous qui aimez Edem TV officiel, je vous demande juste un service. Abonnez-vous à cette nouvelle chaîne. Espace ETM. Espace ETM. Espace ETM, c'est une chaîne qui va vous aider. Vous aider beaucoup plus dans Maïmatali Entrepreneuriat, Maïmatali Business. N'hésitez pas, le présentateur phare, Danny Mouya. Danny Mouya. La République démocratique du Congo est résolument engagée à assurer la couverture santé universelle. Un engagement renouvelé lors de l'atelier des préparations sur l'actualisation de feuilles de route provinciale de la couverture santé universelle en RDC. À l'initiative du Conseil national de la couverture santé universelle, des experts du secteur de la santé réfléchissent durant 4 jours sur la mise en œuvre de cette importante réforme. Du paquet des soins à couvrir en passant par la hauteur des cotisations et des réflexions sur les financements de la CSU, tous ces sujets sont minutieusement examinés. On a un plan stratégique qui a été adopté, on a une ordonnance présidentielle qui a mis en place le Conseil national, on a les décrets du Premier ministre qu'il vient de publier il n'y a pas longtemps, qui mettent en place des instruments pour faciliter la mise en œuvre. Donc on examine tout ça et puis on regarde ce qui manque et ce que nous sommes en train de préparer justement, le paquet de soins à couvrir, la hauteur des cotisations, d'où viendra l'argent pour qu'on commence et probablement vers quand on peut commencer, mais comme je l'ai dit, en termes de camp, ça c'est la décision que prendra le président du comité de pilotage, donc le président de la République. Cette couverture santé universelle sera basée sur un système contributif, mais l'État pourra pour certains cas mettre la main dans la poche. Notre couverture santé universelle est basée sur un système contributif. Ça signifie que chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, contribuera. Et pour ceux qui travaillent à part la personne, l'employeur contribuera aussi pour lui. Mais d'un autre côté, les hautes autorités du pays se disent, ok, même pour ceux qui n'auront pas les moyens de contribuer tout de suite, il y a un paquet dont ils pourraient bénéficier, notamment tout ce qui concerne la santé de la mère et de l'enfant et ce qui concerne les urgences de première nécessité. Et donc l'État va pouvoir mettre la main dans la poche et assurer ce paquet. Avec l'adoption dernièrement du plan stratégique et la mise en place de nombreux instruments, la couverture santé universelle telle que voulue par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sera très bientôt une réalité en République démocratique du Congo. Mesdames, bonjour. Vous savez que la médiocrité constitutionnelle parfois tue certaines personnes qui se font passer pour des politiciens. En réalité, sont des commerçants politiques. Ah oui, la médiocrité constitutionnelle tue. Joseph Kabila s'est vanté. Si Azamoutou a émis constitution, Moutou a publié la constitution. Il y a 18 février 2006, c'est Monsieur Joseph Kabila. Moutou a publié, pour qu'est-ce que je dis, Moutou a promulgué en gros. Monsieur Joseph Kabila. Alors, Moutou a signé la Katia. Attends, on place à signer. Pendant mon André, j'ai mon robe, André Banamiké, mon robe, André, on dit au Pessan, on te passe. Ok? Au Pessan, on te passe. Je veux clore le débat aujourd'hui pour Boutika ko benana benana ne bo benana wana. Garçon au Seigneur côté. Bon. C'est un garçon, non? Moi je suis un garçon. Monsieur Joseph Kabila, c'est un garçon. Ce n'est pas une fille. Voilà. Il a signé ici. La constitution. OK? Je vais évoquer un article pour couper court. La soi-disant recommandation, il y a Nini, il y a Forum la Bangouane. Merci. Je vais lire ça en deuxième partie. La première partie est consacrée à quoi? Probable majorité parlementaire pour chercher il y a Kobeta, Kolongola et Lokotobengi, majorité par avec Tshisekedi na maboko. Je vous ai toujours dit. Qu'il y a une majorité parlementaire où ta mokonzi Félix Tshisekedi a bêta Joseph Kabila et boto et ça l'a pas si ma casse.
qui n'ont le lot, à tout jamais qu'on digérer. Oui, ça c'est de un. Voilà la deuxième thématique. De on est la première thématique. Maintenant, nous appelons la thématique Moussous, il y a Mbos. J'ai la vidéo. Il y a un candidat au Mbos à Pony pour Azala, juge na cour constitutionnelle. Monsieur, dame, le monsieur lui-même, d'abord, au niveau de l'Assemblée nationale, il est déjà opposant à président Félix Tshisekedi. Or, la cour constitutionnelle, on doit se dire la vérité, c'est une cour politique. En tant que santé. Que personne ne vienne te tromper. La cour constitutionnelle, c'est la cour politique. Et autres, là, ma légalité, ma constitutionnalité. Et autres, là, tu as ordonnance à chef d'État. Est-ce qu'ils ont respecté mes becs? C'est une cour politique qu'on ne vous trompe pas. Et maintenant, le candidat que Mbosso envoie à la Cour constitutionnelle ou veut envoyer à la Cour constitutionnelle, Azali Nani, Azali opposant à Félix, opposant à président. Ce monsieur-là, assis à Télémela, projet à budget ou à loi, il y a budget plutôt. À Télémela, projet à budget à lobby, il faut appeler sa mission non. Budget à année passée, ça y est là, on dénigne. Oyo koto ndenge zana toko voter yangote toko lekisa yangote nde mutu oyo Mbosso zana posa lekisa na cour constitutionnelle naolo ba makambo na sérieux makasi. Suivez d'abord la vidéo. Dans ce document, c'est le dépassement jamais vu, jamais vu dans l'histoire budgétaire de la République démocratique du Congo, où il y a des dépassements jamais vus. Des dépassements allant jusqu'à 14 000% au niveau de la présidence. Tant des dépassements, tant au niveau des frais de fonctionnement qu'au niveau des rémunérations. Au niveau des rémunérations, il y a même un dépassement au terme des rémunérations de 1434%. Donc, ça signifie que les gens ont fait fi de la loi, tant la LOFIP, la loi sur les finances publiques, que de la loi budgétaire, exercice 2019. Alors, c'est pourquoi nous sommes en train d'examiner la possibilité de ne pas voter ce projet de loi. Carrément ouvrir une commission d'enquête auprès du gouvernement pour savoir comment est-ce qu'ils ont dit utiliser ces gros montants sans l'autorisation de l'autorité budgétaire que nous sommes et qui a utilisé, et ces différents montants ont été utilisés pour quelle fin, et prévoir des sanctions. Nous devons sanctionner parce que les lois que nous votons, c'est pour que ça soit exécuté. Et la loi elle-même prévoit les sanctions au cas de non-exécution. Voilà pourquoi nous nous réservons par rapport à la recevabilité et au vote de ce projet de loi qui nous amène des réalités vraiment scandaleuses. Et ici, vous avez compris que Mbosso, Moutou, Oebomouniwana, Azali Moutouya Joseph, Mbosso, Azana Katia Kobunda, Obasala Nini, Baleki Salatuna Bangokuna, du fait que sur le 3, Oebaoutakana, Parlement, Mibale, Obemina comme toi vote à proposer à Bango. Moko Kengonda proposak. Vous avez compris? Kengonda proposak. Et si quoi? Parce Moko abanda ko utana Sénat, mso bi balé na Assemblée nationale. Alors, oyo a utana Sénat a koufi. Mais yo batna omi balé ya ba utana kota ya Assemblée nationale baza. Mais yo ulinyo za suningi sa ya ko proposer Nessika Yabatu. Vous comprenez, Mbosso Bilo Gwazobit, Mbosso joue la carte, Nin, na comprendre sous basse ya carte ya Mbosso. Joseph Kabila est à la recherche de la nouvelle majorité, à conquérir la majorité na à niveau et Assemblée nationale. Alors, cour constitutionnelle avant de la Kamakambouana Ming, pour le Kabaye va interpréter Mibeko. Est-ce qu'au cours de la même législature, il faut changer la majorité deux, trois fois?
et moto a kujiko interpréter makamune tswana ezaka cour constitutionnel bongo soki na cour constitutionnel Kabila ça déjà na 5 sur 9 qui va gagner la bataille Kabila mboso joue le coup. Donc le professeur Bahati vient de sauver le président Tshisekedi dans un coup sale. Oui, dans un coup très sale. Ce coup est très sale. Nous demandons à Mboso de rectifier ses tirs. La RDC n'a plus besoin de distractions, ni de traîtres. Nous avons besoin de gens qui doivent travailler pour le peuple congolais. Mais Matali présent qui s'est dit dans la salle à jeté. Oui. Le président a si à bêta la Kabylie Bibotou ya Kosakanate. Ndenga récupéré cour constitutionnel de Bazakana passe qui non l'élo. Ndenga récupéré majorité parlementaire. Bazakana passe qui non l'élo. Yango bazo lingabati kaye kimiate. Bakobanda Kosala par tous les moyens pour déstabiliser le pouvoir et le président. Vous savez ce qui fait mal aux détracteurs du chef? Et ça va prouesse ou fatigue au sale. Tu vanda 18 ans, tu te kala koyo kate que FRDC est béti et loko na Rwanda. Mais mbala le boso to ka FRDC a nyati et loko na Rwanda. Je tiens encore à féliciter nos vaillants militaires, nos FRDC. Wana bien filtré bazate. Bato basale opération bien filtré bazate. Ba demi Dakar. Ba mouchar bazate. Wana ba na mbuka. Et ba beti bali koyemba na lingala. Bazo ba komisa mokonzi. Je vous ai dit tantôt que Minduki na est et ko beta mati bisika banguna ba utaka. Pona nini? Po fachi azana faire minerai à est. Oyo bachaka ba chino kuna nde muto banda ko banga ba banda ko banga parrain na bango Kagame akoyo ke loko facha hebi sakaye ukanisa te ke okotire profit na makambo malamu ko sala yango. Oui, mais ne pense pas que yo okotire profit po biso pe to kotikate. Ah oui, chers compatriotes, likambo ya majorité après forum et réconciliation, maintenant, ils ont passé dans l'étape où il y a une action. L'étape où il y a une action, il y a une récupérer la majorité. De quoi ça a montage? Il y a une virgule. Le ministre de sport, Serge Konde, à la Tivarez, a été balé après réconciliation dans Katanga. N'est-ce pas Katanga, bien sûr? Na stade ya Mazembe azobe tabale Moïse Katumbi ou photo ya le boso mon ministre yo wana Serge Konde azobe tabale lire azobe tabale wana musala ezo sala ya Kinshasa président Félix azongi akomi ministre à sport ayambi Martin Bakole boy po anin po azaka tangete. Oui, yango Serge Konde ya ngou Serge Konde a saboté comme za ministre ya sport ya Katanga. Si c'était moi le chef du gouvernement, j'allais te virer. Là, je t'informe bien. Mbongo, il m'a ministre de sport et s'est retrouvé dans le compte de la Fédération Congo-Brazzaville. Yé, Serge Konde, ministre. Je n'ai pas confiance en ces messieurs. Chers compatriotes, on les a qui virgule. Ma photo, on a dit, mais ce que je suis dit, c'est que je me suis rendu compte que Batebele va aussi la politique. Mais Maïl est athée. Stratégie vraiment est athée. Bazo pèse les pour et les contre. En politique, il faut savoir s'effacer un temps. Que l'âme gâte à Moussous, dans le moment opportun. En politique, lorsque vous avez forcé, nature, vous avez mabé. C'est ça. Le président Félix Tshisekedi a tout fait pour récupérer la majorité. Il a récupéré la majorité. Maintenant, aujourd'hui, après le forum, il y a un message que Kabila a contaminé Katumbi Bayokani. Ça veut dire
Le PPRD a autant de députés. Dans le niveau de l'Assemblée nationale, Kabila n'a pas tourné ses 70 quelques députés. Katumbi n'a pas tourné ses 70 quelques députés. Et pour plus ou quelques insatisfaits dans l'Union sacrée, Barokoum en a 290 députés et ils vont récupérer la majorité pour bloquer Félix Tshisekedi. Très bien, je vous encourage. Allez dans ce sens-là. Moi, je vous encourage. Je dis bien, allez dans ce sens-là. Maintenant, il y a un message, je vais te répondre, je vais tourner une émission. Je vais appeler ça en matière. Vous savez, la constitution est et prévoir un mécanisme qui est mon corps. Mon conseil, Wali Kosala Moussala et Sengeli aux la majorité pour Sala Moussala Balam. C'est-à-dire quoi? Au identifié, au nommé informateur, a identifié majorité et au sein de cette majorité-là, au désigné peut au nommé premier ministre, au Yoapia Kosala, chef du gouvernement. Et entre eux, mon conseil, premier ministre, pour définir en concertation, vision et mboka, au premier ministre, à commettre en exécution, à cause de la responsable devant le Parlement, Yéna Batounaye, pour avoir à côté en fonction, bah, député national, ne m'a pas investi. Puis, bah, on ne m'a pas contrôlé, bah, on ne m'a pas sanctionné. Très bien. On a la constitution. Cette constitution n'a pas prévu, et le Kotobengi, cohabitation. Et à te. La cohabitation, c'est quelque chose où ils ont un mutu, un mitu, un abisso. Puis, un mitu, un bateau, basana. Et le Kotobengi, immaturité constitutionnelle. Ce sont des bébés politiques. Pour comprendre, il faut pas le battre, il faut pas s'alater. Lorsque vous êtes en train de méditer la politique, vous ne comprenez rien, posez des questions, cherchez l'encadrement et peut-être beaucoup comment battre. La politique est ça pour la commerçante. Ça, la politique, il y a commerce. Mais politique, il y a que diriger cité. Et ça, il est comme source. Pour nous, c'est comme ça que la politique. La politique est là, souka. Il y a un sac à l'angote. Et c'est ce que je veux. Donc, dans la constitution, il y a une commune. Il y a une cohabitation. Et ça, c'est raté. Oh non, Kabila a récupéré la majorité. Si Kabila récupère la majorité, possibilité, les amis, balé. Politiquement, Félix, comme il y a na comme essoufflé na ke na souko négocier na bango a côté kala ko sale le courant pour na balami malété. Je dis par malheur Kabila récupère la majorité na Katumbi pour Félix a ke ndeko sa génuer de bosso na bango balo ba ke bango to contrôler le gouvernement, c'est ça non? Denga FCC cash, vous vous trompez. Félix le président le fait, je deviens opposant. Pourquoi? Parce que et cause là pour le bien-être du peuple. Nous sommes de grands stratèges plus que yo. Nous te contrôlons. Et tant que nous récupérons, pour eux, nous sommes besoin de comment nous sommes. 2 ans, il y a gouvernance en alliance. FCC cache, le Congo n'a pas décollé. On n'a pas vu de prouesse où il y a ici minzo toboyete. Mais bien que tout mona ezayake un député n'a perchoir azo ba que président za inconscient. Et le comme balé tout mona président ya sénat azo ba que nous devons appeler na congrès pour tout corriger ba erreur constitutionnelle après que mona ba ordonnance chef de l'état signé. Est-ce que c'est le sénat ou c'est le congrès qui statue sur ordonnance chef de l'état? Les inepties constitutionnelles dans un ibisabino makamwa. Donc, les amateurismes dans la constitution, dans la constitution. Bon, mon Janine Mabou, dans la pointe de presse, pour la relobaké, on peut mettre le chef de l'État en accusation, à évoqué l'article 165, 165, 166. Madame. Or, l'Assemblée nationale, même réunie en congrès, ne peut jamais commettre l'accusation au chef de l'État. Non. Bako qui coupe sa autorisation. Nana n'est procureur général près la Cour constitutionnelle à ouvrir instruction à l'encontre du chef de l'État. Puis Abe Mayango, la Cour constitutionnelle.
lui aussi peut mener ses enquêtes. Ceux qui ont trouvé qu'il n'y a rien de spécial, il met de côté. Mais sachez encore très bien que le procureur général près la Cour constitutionnelle est nommé par le président de la République. Au fond, il y a un peu de temps. Ah, bon ami, c'est tout le temps qu'il y a. Je ne vais pas comprendre la politique. Je vais vendre au fil, je vais bien le côté. Pour y avoir un cours. Ah, bah non. Ces garçons ici, ils vont comprendre que le président Félix reste un grand stratège. Donc, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a. Mais si vous partez dans la direction, rassurez-vous que le président aura juste une option. Et c'est laquelle? À côté cabine. Pour récupérer la majorité, c'est bien. Deux, à quoi une alliance n'a bien noté. Il y a qu'à former car un gouvernement. Il y a eu qu'à une union sacrée. À tenir gouvernement, premier ministre n'a gouvernement, WAPI, l'Assemblée nationale. Le quoi la bourgeoisie là, tu n'as bien la carte, tu connais tes bourgeois là, nini. Beaucoup rejeté, malalibus. Bah, ils sont mal amis, bah les beaux rejetés, beaux pécier force. Avant de caca na le coup, avant de caca ao, à saler à dissoudre, nini assemblée nationale. On ne dissout pas le parlement, on dissout l'assemblée nationale. C'est là bah panzaka ya moté, panzaka assemblée nationale. De boutique ce qu'on bat dans le monde. Dépôt sur le chômage. Ah oui. Mais connaissant bien l'homme politique congolais, à l'heure actuelle, vu les enjeux électoraux qui pointent déjà à l'horizon, Boukébako, mon pépé, connaissant encore certains députés nationaux, se réclamant de Katumbi, au Bazana Katiwana. Aboulite qui a sa bangonios. Pour assilami nous lire à l'obagé qui est, nous avons consulté après ça, la déclaration. Depuis Katumbi a sa consultation, a déclaré ni. Nous avons eu un match. Le match a été 15 minutes, a tiré Mbalamoukoua corner. Corner a tiré comme il a pototé. Au petit corner, ne si pas tu vas toucher à moi qui est corner, il y a un moment qui est ce corner. Les gens oublient les choses. Ah, on est dans le monde, on est dans sa fatigue. Chers compatriotes, que personne ne vienne vous intimider. Et ça, on est dans le sa président Félix. Azaté, présentement, il est calé. Raison pour laquelle vous le voyez, avant de dire qu'il y a un peu de côté. Quand vous avez un avant de dire il n'y a pas de côté, non, il y a un peu de côté. Si vous avez un peu de temps, vous pouvez vous faire constitution. Vous constatez que le gouvernement de Kabila n'est pas une constitution. Il y a beaucoup à maîtriser en côté. Il y a beaucoup à maîtriser en côté. Pour nous, il y a beaucoup à maîtriser en côté. Recommandation à maîtriser en côté. Fédéralisme, non? Fédéralisme est comme un abisso dans la forme de l'État. Et cette constitution permet de l'angoisse. Pour la que Kabila n'a pas eu de la constitution. Ou à Zakina Bune. À l'obé de sous une place dans la salle, dans le qui passe dans le monde. Ah, ce monsieur nous a dirigé pendant 18 ans. À l'obé, le problème n'est pas. Il y a que ça la réconciliation, mais de respecter les recommandations. Il y a réconciliation. Si on a tourné ma recommandation, et parmi ma recommandation, il y a le fédéralisme au baso prôné. Le temps a cassé. Constitution, le bidin. Où le Kabila a publié. Et sur la Ksaké, il y a beaucoup à publier, à signer CAC. Mais Kotanga, c'est un peu de mal à soutenir. Mais Kotanga, chapitre Nini. Dans le chapitre, il y a
révision constitutionnelle. L'article 218. Cet article stipule quoi? Bon, ça va, n'anga, hein? Tel que modifié par l'article 1er de la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République, au gouvernement après délibération en Conseil des ministres, à chacune des chambres du Parlement, à l'initiative de la moitié de ses membres, à une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes s'exprimant par une pétition adressée à une de deux chambres. Chacune de ces initiatives est soumise à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui décide à la majorité absolue de chaque chambre du bien fondé du projet de la proposition ou de la pétition de révision. La révision n'est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvé par référendum sur convocation du président de la République. Toutefois, virgule, le projet, virgule, la proposition ou la pétition n'est pas soumis au référendum lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès l'approuvent à la majorité des 3/5 des membres les composants. Article 19. Aucune révision ne article 219 plutôt. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Article 220. La forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée de mandat du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne et de réduire des prérogatives des provinces et des entités territoriales et des entités décentralisées. Les entités territoriales décentralisées. Bakatangi baba la bakasente. Les droits et libertés batute. On a ibsibino ki bato parce que na forum one. Na même atale constitution ba yebité. Laissons la politique aux politiciens. Ba homme d'affaires, ba sportif, ba commerçant, ba tout ba mesa na bibouele na 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 minerai na iranium ba sala ba corp na bango. Forme ya l'état obiso de notre comment état fédéral. Et ça interdit la constitution. À la limite, chers compatriotes, j'aurais voulu que l'ANER interpelle ces gens-là. Pour tout nabango nini bazana kati ya ko créer na mboka puisque ba résolution nabango ezo fâché constitution. Je viens de lire à peu près 3 articles. Nombre nabango, est-ce que bazana ba pessimiste 100 000 signatures et makambo ebele boyoki awa ndenge ezali verrouillé? Vous voulez nous dire que c'est juste poignée ya batu au bafanda kiwana nemu to akuti ku kabola Congo nemu to akuti ku bema bilo bilo ku nyoswana? Parlons un peu du fédéralisme.
Je ne vais pas entrer en détail. Le fédéralisme, un État fédéral, est-ce que c'est la monnaie unique? Un État fédéral, est-ce que c'est la monnaie unique? Bah, tout na bango misus, bah province, bah État fédéré. Est-ce que bah ça a autonomie à monnaie na bango? T'es? C'est quoi bango baso loka monnaie unique indéngeni? Y a bango moko indéngeni? C'est pour vous dire que il y a un problème de la médiocrité constitutionnelle. Et bah tout net, oh mon quoi zaka gouverneur, nous sommes zaka président. Dans le niveau il y a maturité assez. Dans le niveau il y a ignorance. Il y a un assez le Congo lelo, nous sommes bénis. Mais si le président Tshisekedi te parle de la constitution du pays, de la gestion, de la gouvernance, vous sentez que vous avez affaire à un président qui maîtrise ce qu'il dit. Comment ne pas encourager un tel monsieur? Bah tout pesa bah vendi. Na kati na bangouana, na moni ma mova mova fi vice premier ministre dans ce pays. Plusieurs fois ministre, député national. Ah, ministre y a défense, y a intérieur. Azo y ba constitution te. Alors, ce matin, il y a un oyo et un mabé. Et tout ça cautionné par un évêque de l'Église catholique. Qu'est-ce que vous nous foutez, vous autres? Congo, quand même, ça n'a pas tout, mais ça n'a pas hein? Mais ce qui va tout n'est binois, pour l'accession de diplôme, il y a un diplôme, il y a un diplôme, je suis un simple licencié. Je ne sais pas si je suis licencié. Oui. Pourquoi je suis un peu jamais je suis ministre dans la vie. Mais je suis la capacité de faire ministre. Je suis un peu plus de papa qui est comme président. Papa est comme président. Je suis un peu plus de temps. C'est compliqué. Donc, dorénavant, vous voyez la chimie, où nous sommes les salés, nous sommes les pépés. Ils ont intimidation. Ils ont intimidé, bien noté. Le président, tu sais, qui dit, a la position qui toque, nous sommes le pays, ils ont la position qui toque, l'élo. L'élo, nous avons deux ministres, nous avons de ceux-ci, nous avons de ceux-là, bateau, bateau, salam, salam, l'olengue, l'ongoban. Et nous sommes les temps qui toque. Mbala liboso oyo ka Rwanda leli bo betinga bomb bo betingai mala liboso Rwanda lela. Et quand je dis que le président vient de gifler Kagame, bah tu vas comprendre. Moi je parle à bataille mandingi wana tant wa leli wana, ça se dit que le ko passite ba beti mbatati dalinga na balo balo baka azwi mbata mokolo ce qui ba yibi di wana ba beti mbata. Si il faut comprendre le langage qui nous a. 17 ans aujourd'hui à Kinshasa, il faut dans un langage qui nous a, non? Quand même. Il faut dans un langage qui nous a. Et je communique simplement. Chers compatriotes, on peut ne pas aimer quelqu'un, mais la politique est mise en place en RDC par le président Tshisekedi. C'est une politique salvatrice pour notre pays. Lorsqu'on lutte contre les enrichissements illicites, ça c'est sauver toute une génération, c'est sauver un pays, c'est sauver le présent, le futur, et sauver le futur, ce qui fait tirer au wapi. Futur proche, futur lointain, c'est ça non? C'est sauver des générations en générations. Les gens qui s'enrichissent illicitement, pour ma génération, il y a lobby. Le Congo ne peut pas disparaître à cause des affairistes mal placés et mal intentionnés. Le Congo a besoin de ses dignes fils, de gens vraiment qui vont travailler pour le Congo. Basi ba ibaki, basi ba tongaki, basi ba salaki nyonso ya mabe oyo ba lingaki. C'est fini, trop c'est trop. Les gens qui parlent de Katanga, Katanga, le Katanga n'a pas été construit uniquement par le Katangé, ni moins par les ressources du Katanga. Le Katanga a été construit dans la province Sébélé. Ceux qui ont tourné l'équateur, ceux qui ont tourné Katanga Mingi. Au tourné Congo central, à Tonga Katanga.
au tout ba province musu ya ba Grand Kivu ba ko isi ba tonga katanga au tout ni kasa ya ko tonga katanga les katanga connu de gouverneurs équatoriens et parmi le meilleur gouverneur nanya le ki fe kwa gialo na katanga kwa gialo n'est pas katanga un équatorien. Cessez de nous distraire. Les gens qui ont détruit les Katanga sont le fils Katangi. Au contraire, les gens qui ont construit au Katanga, qui ont apporté un plus, ça va être la province, c'est une source. Vous tirez sur distraction, on a pam pam. Vous tirez Katanga, vous tirez Katanga. 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 Vous tirez Katanga, vous à l'époque, moi, je suis victime, il y a Bilo Kounoswan. Ben de quoi, Bakazieto. Les Kassens sont partis. Et ceux qui étaient de cadre dans la Jekamine, Kenda, main-d'œuvre, Salini, et Kenda, qualité, et Kenda, Msou, et Kenda. Est-ce que Bakatangé, nous sommes à Kamisra? Ilunkamba était à la SNCC. A-t-il combien de Nyongo là-bas? Dites-nous. Je camine au commun à Célélo. Tout est à cause de cela, je camine. Tout ça n'a pas ça ma belle, la bise. Ma chef coutumier, beauté que la bateau ma belle était. Ma belle, la bise, les sols appartiennent à l'État. Yo, comme l'État. Eh, vous êtes bon, hein? Ah, ça m'a quand même bon côté. Ça m'a quand même bon côté. Pour gérer, il faut tanguer l'eau. Ceux qui m'ont besoin d'attendre au tanga, ils ont attendu au tanga bon. Ils ont attendu au tanga bon. Tanga bon. Ceux qui sont venus au Lembi, mais là, ils ont commencé à comme la lala. Ceux qui ont aussi battu, qui ont été battus à Bali, ils ont été battus. Que la bisou, j'aime beaucoup ce pays. C'est mon pays. Je suis un peu comme ça. 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 Et quand vous avez vendu un andako, hey, vous avez vu le temps de vous faire. On a compris. Vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, il était. Ah oui. Je soutiendrai toujours la vision du président Félix Tshisekedi, puisqu'il est dans le bon. Aussi longtemps qu'il sert le peuple congolais, je ne soutiens rien. Puisqu'on a quatre peuples congolais, mes enfants sont là. Mes frères sont là. Mes parents sont là. Mes amis sont là. Mes compatriotes sont là. Le Congo a besoin de deux choses. Je dis ça le matin. Le Congo a besoin du patriotisme élevé et de la compétence. Le Congo n'a pas besoin que oh mon loup mon gars là mon Congo bassesse. Le Congo a besoin du patriotisme élevé. L'ingambo kanayo. Ce que l'ingi yango, zala c'est qu'on a compétence. Ce que on zolo ka compétence. Compétence c'est zolo na ko yeba, hein? Ce qui est yébi, ne recommence pas compétent. Puisque bien sûr, dans la science politique de l'Obaka, la déontologie du travail, et compétent, c'est celui qui travaille dans les normes et principes. N'est-ce pas? Tu travailles dans les normes et principes tout en respectant les réalités. Et en dehors de ça, il faut oyer kula. Osa l'information. La recherche scientifique tobakisi, celui qui n'a pas l'information n'a pas droit à la parole. Tu n'as pas l'info, tu n'as pas droit à la parole. Noko la bango. Il faudra que bavanda suit. Bavandité au fédéralisme. Non, vous n'avez pas l'information. Oh là, oh là, oh là, oh là. Vous n'avez pas l'info. On dit dans le rang, ils ont quatre dans le rang par hasard. Alors vous n'avez pas l'info.
Et Congolais, ils ont besoin de ça. 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 Oyo akomeka na yo kalisusu na koya pour recadrer les inepties et les insuffisances constitutionnelles. Eh koyé ko la constitution est lengue. Quelle beauté dans l'art. Que Dieu bénisse la RDC, qu'il soutienne le président Tshisekedi, qu'il donne à notre chef l'intelligence et la sagesse, qu'il protège notre chef, qu'il soutienne aussi les ministres qui travaillent selon la vision du chef de l'État. Que Dieu me garde, qu'il me donne encore la force de vous revoir dans quelques heures. Puisqu'après 6 heures ou 7 heures, je serai encore là avec vous, chers compatriotes. Soutenons notre pays. La RDC, Tangwe Koki, Totonga Yango. À très bientôt. Messieurs, dames, Tangwe Koki.